Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live sur Garbage. On se retrouve pour la suite de nos aventures. Donc on s'était quitté sur un petit bug, et en chargeant, visiblement, on s'est retrouvé comme à la fin du combat, et en considérant qu'on l'a gagné, puisqu'on a gagné un petit peu de sous. J'ai pas eu de pop-up ou quoi que ce soit, mais les sous ont un petit peu monté, donc globalement, c'est plutôt pas mal, ça s'est bien passé. On va pouvoir continuer. On a deux personnes qui vont se reposer. Lui, je l'ai envoyé camper un peu. Dans 6 heures, on a la demi-finale des égouts. On va peut-être essayer de se la faire. Lui, on va l'envoyer se reposer. Toi, tu vas là. Et toi, en termes d'entraînement, il faut qu'on te fasse monter ton agilité un peu. Mais tu vas pas... Je vois pas trop l'intérêt de te lancer dans un entraînement pour l'instant. Donc tu vas cuisiner. Allez hop, c'est parti. D'ailleurs ici, on a plein de patates, donc c'est parti. On continue de faire du rat. Allez, si on pouvait réussir à lui enlever, à lui faire perdre ça, ça va être chaud. Mais bon, il sera quand même là pour mettre un petit peu de renfort. Et alors, je l'ai remis devant, hein, comme ça on n'aura pas l'événement à la con. C'est parti. Ils font leur invocation de mouche. Ils nous ont stun. Très bien. Un de KO, un autre de KO, là il nous a bloqué le petit con, un deuxième de KO, lui il est fatigué. On va être fatigué nous aussi malheureusement, non, ça passe. Chéché. On récupère des baskets et un crop top. Et un petit peu de drogue. Ça c'est bon, alors du coup, voyons voir. Toi... T'avais un débardeur sale, 5, 6, 10, 7, 5, 15 réduction de dégâts, 5 de bonus de vie, 10 de bonus de vie, 7% de chaleur et 6% de bonus d'énergie. On va lui laisser le débardeur sale. Par contre, on va prendre les baskets stylées. Au niveau des autres, toi t'as le crop top bleu clair, c'est le même que celui qu'on a eu. 7-5-15, c'est ça, donc c'est parfait pour notre tank. Et lui, normalement, il a toujours son manteau. 25% de bonus de vie qui fait bien plaisir. Ok, du coup. Toi, tu continues de dormir. Toi, tu vas t'arrêter de cuisiner, tu vas aller bosser un peu. Toi, tu vas aller dormir. Et avec les sous qu'on a, on verra si on peut pas faire quelques trucs le matin. Allez, toi c'est parti, va t'entraîner, lâche le lit. Fini la cuisson. Lui, il va retourner se reposer dès qu'il a fini son entraînement. Ah non, faudrait qu'il prenne une douche. Ouais. Prends une douche. Là on pourrait cuisiner mais que des légumes, c'est pas ouf. On pourrait prendre le drapeau suprême ou le récupérateur d'eau amélioré. C'est dommage qu'on voit pas ce qu'il faut pour les faire avant en fait. Parce que là on a toujours pas pu améliorer ça. Il faut quand même 3 d'électronique de nouveau. Ici on avait une quête encore, oui c'était les graines, c'est ça, hein. Ouais. Il nous vend des carottes, rien de très urgent. Lui il nous vend de l'eau, on a une quête pour avoir une grosse bouteille d'eau.
Je sais plus trop où c'est d'ailleurs. Non, si c'était pas là, c'était l'autre avec son eau bénite là, c'était lui là. Dans le stockage de marchandises là, c'est lui qui voulait de la flotte. Ah, du coup, on va voir, tiens, si on achète. C'est pas hyper cher, on peut se permettre de dépenser 2 balles. Du coup, on en a 2. On va là, le stockage de marchandises. Et il nous a donné de l'eau bénite. D'accord. Très bien. Là, j'imagine que si on arrive à ouvrir un conteneur, on aura une guest station. On peut s'inscrire du coup dans l'arène des pirates. Ce qui veut dire qu'on doit pouvoir se réinscrire. Le tournoi final des égouts, allez, c'est parti. C'est parti pour le tournoi final des égouts. Ici, on n'a plus grand chose. Ici non plus, c'est toujours les carottes. Peut-être trouver un pied de biche un jour. Ah, on a débloqué le quartier industriel, vous avez pas vu, le chantier de construction, voyons ça. Il me rappelle le Père Noël, mais plutôt celui qui est méchant, ok. Oh, 66 papiers, ça fait plaisir. Ah bah voilà. Ça c'est du loot comme on aime. Autre chose? Non, alors du coup. Ici il y a une quête. On va plutôt parler à Bob, ok. Avant il y avait un toit ici, mais il a été démoli. Ok, visiblement il y avait un squat qui a été détruit pour construire un nouveau truc. Et j'imagine qu'on va pouvoir choisir entre l'un ou l'autre. Ô Seigneur, bénis les anciens. J'espère que c'est notre destin et nous à protéger notre foyer, s'il vous plaît, je sais que je peux vous faire confiance. Ok, là. Les squatteurs vont enfin partir, vous êtes là pour les dégager, nous avons envoyé plein de lettres au gouvernement, c'est bien pour ça qu'on paye des taxes. Non, nous on va être du côté des squatteurs. Et il y a deux combats. Non, pas toi, t'es fatigué. Je vais y arriver, voilà. Kenshi et Noah, c'est parti. Défoncez-les. 14 et 15, hein. Il y a du gros level quand même. Oh la vache. Un KO, mais on est dans le mal quand même. Ah non, ils nous ont repoussé. On s'est fait repousser. Bon, c'est pas grave. On va dormir encore un peu. Du coup, bah toi, tu vas aller plutôt faire ça. Et Rockanton, vivement la fin du GP, pour suivre plus attentivement. La fin du GP, quel GP? Il y a un grand prix automobile, c'est ça que tu veux dire? Allez, on s'entraîne. Va te reposer parce que t'es quand même un peu dans le mal. Bah je sais pas, Canton. C'était pas ça? Ah, un petit niveau là, parfait. Alors du coup, on a pris un niveau là. On va pouvoir aller chercher le bonus de vitesse d'attaque. Ça c'est pas mal. Et du coup, pour la suite, l'esquive, ça pourrait être bien, hein. À la place de ça, une petite esquive à rajouter dans le pool. Et du coup, il va peut-être nous falloir quand même un coach agilité à un moment, hein. Le juron, et là on a quoi? Projection infernale, attaque de zone. 40 à 60% de chance d'étourdir les cibles de zone. Waouh. Ah ouais, c'est violent. Alors, 30 à 60% de chance selon le niveau de fatiguer tous les ennemis qui font une fixation sur vous et d'aveugler les autres. Ça a pas mal avec provoquer ça. On va les débloquer. On va débloquer ses compétences à lui et après on pourra le renvoyer et en prendre un autre. Le grand vol d'ordure, c'est bientôt là. Calmez-vous. Toi tu vas aller là. Toi tu vas aller là. On va pas être très très frais.
Ouais, on y va. Et on va se battre pour du métal. Ouais, ils sont level 11. Et en plus, on n'est pas en forme. Mais on va tenter quand même. Y a pas le groupe là pour nous coincer. Ah, le bien essayé était pour ton combat contre les gros pas 14 et 15. Ouais, j'avoue que on a un petit peu souffert là. Putain, il s'est encore fait coincer Noah là. Faut arrêter les conneries. Ah oui, du coup, tu te fais tabasser la tronche. Bien sûr, tu te fais tabasser la tronche. Il y a des petits bugs de placement quand même, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Je suis décalé, pardon. Donc c'est Kenshi qui est blessé, toi tu vas t'entraîner, ouais, faut que tu montes un peu ton niveau. Ce qui commence à être un petit peu énervé en face. Non. Toi tu vas aller mendier un peu. Là on a quoi? On a ramassé du rat encore? Pas encore. Et on va entraîner les deux qui sont un peu en retard là. Alors par contre on peut améliorer ça, on va le prendre. C'est ça qu'on avait gardé un petit peu d'électronique de côté. Toi tu vas là. T'as plein de compétences d'agilité à débloquer. Toi tu vas là. Ici c'est fait. Faudrait qu'on trouve d'autres graines quand même à un moment. Allez, va dormir dans le lit confortable, tant qu'à faire. Histoire de soigner ta fracture. Hein, tout de suite, monsieur, c'est une fracture, quoi. Dans 4 heures, on a la finale des égouts. Ouais, on devrait être pas trop mal. Hein. Il y aura peut-être encore la fracture sur Kenshi, c'est dommage. On n'a plus d'attel. Est-ce qu'on peut avoir des attels quelque part? Je crois qu'on peut avoir des bandages à l'air de jeu. Ah, mais c'est la nuit. Là, on peut avoir de la bouffe. Là, on peut avoir la danseuse. Là, on peut avoir des carottes ou de l'eau. Pas d'attel, hein. Le porc, il nous reste des combats à faire. Pas mal, même. Ok, de chargement. On avait tout fini. Le stockage des marchandises, il nous reste le papa pas content. Tony's Pizza, il nous vend des pizzas. La décharge. Oui, la décharge, on avait des fights à faire. Faudra qu'on y passe. Le quartier industriel, c'est pas encore de notre niveau. Le quartier religieux. J'ai pas accepté leur quête là, je vais les prendre. Ah, et ça nous débloque des endroits en plus. J'imagine les endroits où on va pouvoir récupérer ces trucs là. Ah, sympa, des fantômes. Fantôme d'Amberlib. Ouh, enfin quelqu'un qui n'est pas terrorisé. Ok. Très bien. Alors là, il y a un arbre. Rampe autour de cet arbre comme s'il était attaché. On dirait que quelqu'un essaie de sortir du sol. Parfait. Tu n'as pas peur de moi? Waouh, j'essaie de fantômer, mais ces clochards terrifiés qui hurlent un pimpon me font perdre la tête. Tu veux bien m'aider à récupérer un peu de tranquillité? D'accord, donc les clochards. Et les clochards ont peur des fantômes. J'ai tué cette femme 3 fois, elle arrête pas de revivre. Ces fantômes ont dû la cloner. Tuez ces fantômes pour moi, s'il vous plaît. N'importe quoi. C'est n'importe quoi, ces quêtes, putain. C'est ouf. Est-ce qu'on joue contre les fantômes ou contre les clochards? Qu'est-ce que t'en penses, Canton? Je vais aller voir la station-service en attendant. Ah, ici aussi, il faut un pied de biche. Bon, au moins on loot. Parcours à la terre et les montagnes.
Respecte tes parents. Ça fait des jours que je suis bloqué ici. J'ai faim, j'ai pas d'essence pour continuer la route. C'est la seule station à 300 miles. C'est Pecno ne veut pas remplir mon réservoir pour je ne sais quelle putain de raison. D'accord, très bien. Vous voulez monter dans mon camion, pourquoi pas? Mais dans ce cas, allez d'abord nourrir mes oiseaux. 8 bouffes. Seriez-vous intéressé par du vin sacré fait maison? Donnez-moi les ressources pour en faire et vous pourrez en avoir. Et yo Tavnish! Bah écoute, ça va bien, bien, bien. On se fait un petit, une petite session sur notre simulateur de clodo préféré. Donc là, on a déjà de l'eau bénite, il faut qu'on trouve du raisin. Très bien. Et l'autre, par contre, là, il veut qu'on lui file 8 de bouffe pour monter dans son camion, mais je croyais que c'était à elle le camion. Bizarre. On peut se permettre de lui filer 8 de bouffe après, hein. Il nous donne des champignons légendaires. Substance magique qui augmente une statistique aléatoire de 1 point. Waouh! Je n'ai pas prévu de monter dans mon camion. Vous êtes un bon gars, un ami de la culture locale. Je mets des gens dedans pour d'autres raisons. Ok! Très très bien! Et du coup, on avait une quête. Alors la quête, elle nous demandait des champignons. J'ai pas l'impression. Non, ça doit être un bug de fichage, ça, parce que c'était pas du tout ce qu'il fallait. Ici, il faudra qu'on choisisse si on soutient les fantômes ou si on soutient les humains. Jurassic Clodopark. Voilà un nom qui envoie du rêve. Du caca de singe. Du caca de singe, d'accord. Il y a des gens partout qui sont un peu énervés, visiblement. Enfoirés sans nom. Enfoirés sans nom, ils font des cris de singe. Encore une zone totalement what the fuck. Dresseuse animaux fantastiques. Mes petits singes farceurs adorent que je les nourrisse. Après, ils m'écoutent et ils jouent avec moi. Vous pouvez m'aider à nettoyer l'endroit et les crottes? Ils vont vous rendre la tâche difficile. D'accord, donc les singes, c'est des êtres humains. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est de plus en plus loufoque. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ça devient de plus en plus n'importe quoi. Alors ici, on pourrait refaire un piège. D'ailleurs, notre piège là s'est écoulé. Ici, on pourrait faire un piège. Ici, un lit. Ici, on pourrait faire un piège. Donc, on pourrait faire un troisième banc de serre éventuellement, ou améliorer notre deuxième lit. Ce qui me paraît être plutôt une pas trop mauvaise idée. Ou améliorer notre citerne. Non, on l'a pas encore le plan. On va améliorer le lit. Je pense que c'est un bon objectif. Et alors du coup les champignons légendaires, genre je peux lui dire tiens, prends un champignon. Et il a gagné une compétence au pif. En agilité en plus, bah ça tombe bien. 10% de vie, ça te fera pas de mal. 5% de chance de faire une attaque supplémentaire avec le combo. Avec le double coup de pied, c'est parti. Et là, 10% de chance de causer une hémorragie. Voilà, il va devenir un petit peu plus potable, notre ami Michelangelo, là. Grâce à ce champignon. On va se reposer pour attendre la finale des égouts. Cool, là, on a quand même de quoi faire le banc. On va le faire le banc. On va pouvoir recruter un coach en force ou un truc du style. Toi, tu t'es levé. Va cuisiner un peu. Allez, c'est parti. Ils sont que deux. Ah. Ils ont le lâcher de rat. Il va nous falloir Kenshi. Il est blessé, c'est un peu le problème. Il va falloir Noah, bien sûr. On va tenter avec Kenshi. Ah, il est peut-être plus blessé. Il a de nouveau 26 PV. Ils nous balancent leur rat. Ok, on en a bloqué un, mais le reste, il nous a stun après. Mais heureusement, Noah est là.
Bim, KO. Ok, il est KO. Allez, shoot-le avant qu'il lance son rat. Parfait. La vodka, la boisson russe nationale, ressource de 25% et ralentit de 100% votre perte de chaleur. Parfait. Ah non, il est pas encore soigné. Donc il va continuer de dormir. Et on va envoyer lui dormir un peu. On pourrait faire un piège à oiseau, allez. Hop. Par contre, ça en donne qu'un. Je sais pas du tout si c'est rentable du coup. Toi, tu t'es levé, va faire un petit coup. Et je pense qu'on va consommer les champignons avec notre ami. Hein. Alors, t'as gagné quoi comme point? De l'agilité encore. Tu pourrais prendre l'esquive. L'esquive, ça reste un must-have hein, dans le contexte. Et 15% d'expérience en force en plus ou perdre d'hygiène réduite. On va prendre un petit peu de bonus en force. On va peut-être aller l'entraîner un petit peu en. Dans des trucs pour tabasser. Quand il fera nuit, on ira faire un petit tour chercher un coach en force. Allez, toi, repose-toi, récupère le peu qui te manque. Ici, on a récupéré. Vas-y, entraîne-toi. On a du temps. Quoique, on est quand même plutôt bon état. On pourra en profiter pour aller faire un ou deux combats. Toi, va là-bas. Toi, pas de douper. Ah, il n'y a plus d'eau. On va rajouter un petit peu de flotte. Voilà. Juste le temps que lui remonte, faut qu'on avance quand même notre visite de la ville. Alors, on va faire ça dans l'ordre. La côte, il nous reste encore le port à nettoyer. Il y avait eux là. Alors, ils sont rouges. Ça veut dire qu'ils sont forts. Ouais, pas forcément. Allez, go. Ok, il s'est pris l'effroi. Et bim! Ça te probablement pas venu pour ça, on s'en va. On récupère des gants, une bouteille d'eau et un petit peu de sous. Et en plus, on va pouvoir fouiller la benne. Et ça, c'est cool. Toi, il te fallait quoi? Il faut sûrement faire fuir celui-là, là. C'est la dernière fois que vous me verrez, c'est soit moi, soit vous. On pourrait tenter Michelangelo pour voir un petit peu s'il s'en tire. Il est un peu faible, mais. Un peu trop faible quand même, ouais. Ouais, non. Un petit peu trop faible. Donc non, ça doit être un travail pour Noah. Allez Noah. En plus il a son esquive Noah maintenant. Ah il m'a stun, le salaud. Heureusement il fait pas beaucoup de dégâts. Bim. Oh non, il se soigne le connard, et nous on est fatigué. Oh le coup critique, il bloque. C'est pas cool, on est fatigué de nouveau. Ah le 24. Dur. Ouais, on aurait eu notre... comment? Notre fatigue à fond, je pense qu'on aurait pu l'enchaîner. Tant pis.
Vous reposerez plus tard, les gars, vous avez du boulot. Toi, non, toi je t'entraîne en force, je crois. Quoique. Hypercute du coude, le coup rapide, ouais, non, l'esquive, on la mettra à la fin. On va. Toi. Je te réentraîne. Si je te réentraîne en force. Pour apprendre le truc de bonus de fin éventuellement, mais surtout il faut qu'on aille par là quoi. Et pour ça il nous faut un coach fin. Super transpi. Oula, il fait 50 degrés. Ça pique un peu 50 degrés quand même. Ah merde, il faut mettre des graines pour le piège à l'oiseau. Ah non, c'est nul. Non, non, hein, nous on veut le piège à l'arme. Voilà. Clairement, on fout de la bouffe, on a plein des légumes. Alors que des graines, c'est vraiment rare. Hein. Alors, c'est la finale des égouts dans 3 heures. Ce serait quand même bien d'être en état. Allez donc vous reposez un peu. En plus vous crevez de chaud. Il fait nuit là. On avait dit que la nuit on pouvait passer au pont. Non c'était pas au pont. Ah non il y avait un coach là mais c'était pas le bon. L'air de jeu. Elle nous fait des bandages en échange de taux cannabis on va prendre. Je crois qu'on en avait qu'un. Ouais. Et dans le marché, il nous faut du taux cannabis pour 2 balles. Ok, donc ça nous intéresse pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au port. Lui, il nous faut de la mettre. Coach d'agilité. Je préfère un coach en force, mais on va voir si on en trouve un. Sinon, on prendra l'agilité ici. Lui il nous vend des graines de patates, on en a déjà plein. Lui il nous veut son pain. Lui il nous propose de vendre des trucs. D'ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité de mettre des gants? Y'a pas quelqu'un qui a pas de gants? Si toi t'as pas de gants. Prends les gants. Voilà. Le stockage des marchandises de nuit. Ah, on n'a jamais été. On peut parier sur un rat, 5 balles et gagner de la viande de rat. Non, c'est absolument pas intéressant. La décharge, on n'a jamais été de nuit non plus. Docteur Ooze. On fournit ces injections antivirales aux sans-abri et on se fait de l'argent. Le gouvernement n'a pas besoin d'être mis au courant. Très bien. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Qu'est-ce que j'ai mangé? El Cartel Doc. Nous recherchons des produits chimiques rares pour monter une nouvelle firme de médicaments. Seriez-vous par hasard tombé sur quelque chose d'unique? Bah ouais. Ils donnent des stéroïdes. Le sport est plus efficace de 100%, mais votre faim augmente de 100%. Très bien. Que des gens sympathiques dans cette ville. Que des gens sympathiques. Et Tony's Pizza, c'était le danseur. Donc là, rien d'intéressant. Le quartier religieux. Ok, le gros boss là. Donc lui, ah eux ils nous donnent des ressources en échange de bouffe. Ok, c'est bon à prendre. C'est bon à prendre, c'est bon à prendre. On va prendre l'électronique pour 2 de bouffe, on peut carrément se permettre. Par contre les autres. Y a rien de plus. Donc le seul coach qu'on a à disponibilité, c'est l'agilité, c'est dommage. Corona victime. Ah putain, sérieux. 91, oh merde, il est level 25. Non bah du coup, non, c'est pas possible. Ma nana m'a quitté pour un infecté, elle a dit qu'elle a besoin d'un homme, un vrai. C'est n'importe quoi.
Cette arme est née de mes cendres. Ah. Ah, on peut tous y aller, mais on est dans le mal, non? Ouais, on est carrément dans le mal. On va envoyer Noah. Non, on va pas envoyer Noah, on va envoyer... Michelangelo, s'il se fait défoncer, tant pis. Donc on peut carrément combattre des fantômes, parce que pourquoi pas. Oh, le 169 de dégâts. Oh putain. Ça pique tellement. Pardon. On va être chaud pour la finale des égouts. Hein. On va soigner Noah. Eh, on peut soigner aussi. On va... Non, bah, du coup, on va se mettre bien. On va se mettre bien pour la finale des égouts. C'est parti. Ils ont quoi en face? Lâcher l'oiseau. Lui, vraiment du combat. Lui, il a un bouclier de mousse. Sieste éclair. Ok, pour prendre de l'énergie. En avant. Tapons-les. Oh la vache, le double stun, vous êtes sérieux? Oh, le 25 de dégâts. Ah ouais, non mais à partir du moment où les mecs ils te stun de masse... Bon bah on s'est fait défoncer. Vous êtes naze. Bah ouais, j'avoue. Ah là on est passé level 10 par contre avec lui. Et ça c'est cool. On peut aller chercher la provocation. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants qu'on pourrait prendre avec? Non, il faut... Donc là on a le blocage, l'esquive et la provocation. Et on va pouvoir aller chercher le juron qui fait qu'en plus on peut fatiguer les gens qui font une fixette sur nous. Et on peut prendre un peu plus de défense. C'est pas mal. Et là on pourrait se régénérer en combat si on va de ce côté là. C'est pas dégueu aussi hein. Clairement c'est pas dégueu. Bon bah on va prendre le coach en agilité hein. Ce sera toujours ça de prix. Alors il était où déjà? Non. Là, coach d'agilité, allez viens. Alors on verra ce que tu nous proposes. Donc là on en a deux qui dorment, on est d'accord, on en a un qui fait rien par contre. Quoi? Alors, vous êtes remis et en plus vous avez chaud. Le grand vol d'ordure. Ah, on a une intrusion dans 20 minutes. Ouais, l'intrusion qui tombe. Bon, on en a deux qui sont quand même bien en état. C'est nos deux plus costauds. En face, ouais, on a du bon niveau quand même, mais ça va. Allez, c'est parti. On va espérer que Michelangelo va pas trop prendre le focus. Ça va pour l'instant. Il fait le taf. Et bim! Ça vous apprendra à venir voler nos ordures. On pourrait refaire un petit pot. Pourquoi pas améliorer nos lits? Non, améliorer ça non plus. On a 10 balles. Il faut 25 pour mendier comme un pro. 10 pour le récupérateur de pluie. On va peut-être prendre le récupérateur de pluie. Voir ce qu'il faut pour le faire. Voilà, stocker un peu plus d'eau parce que mine de rien ils consomment un max avec leur douche là. Il nous apprend rien d'autre. Et toi du coup, passer une attaque, consomme une compétence obtenant le double de son énergie et la rendant indisponible à un moment. On peut seulement être déclenché si la vie est à moins de 50%, d'accord. 15 à 20% de chance d'enchaîner deux compétences offensives en utilisant que la moitié de l'énergie requise, d'autres compétences peuvent être indisponibles. C'est pas mal ça. Et quoi rien, 15-30% de chance d'actualiser l'étourdissement et de faire deux fois plus de dégâts si la cible est étourdie. Ah. Ça ferait quelque chose qui irait bien pour notre copain là. Alors il a pris un niveau là. On va aller chercher ça.
On n'a pas trouvé de coach en force, donc bah pour l'instant on va aller chercher ça. Par contre, du coup, on pourrait prendre le coup aérien, il doit être là. Donc je pense que ça va être intéressant. On n'a plus les sous là. Hein. Non, on n'a plus les sous. On a tout cramé. Alors du coup, qui fait quoi? Toi, t'es pas non plus ultra dans le mal. Tu vas te reposer. Toi, tu vas les mendier un peu. Il nous faut de la thune. Le grand vol d'ordure, c'est dans pas longtemps. Donc, dans l'un dans l'autre, il vaudrait mieux que ce soit lui qui soit en forme. Suis désolé, hein, Michelangelo, mais on va essayer de renforcer les mecs qui sont efficaces. Tu m'en voudras pas. Minutes, très bien. Allez, et on va essayer de se battre pour de l'électronique. On envoie tout le monde. Ouh, il y a du 60 PV là, niveau 13. En plus, il a médité. Il commence à être énervé, les mecs. Hein. Ah, il les a provoqués, mais il reste un peu en arrière. Du coup, c'est pas si mal. Ça ralentit quand même vachement les autres. Alors, on a 2 KO, 3 KO, le dernier. Ah, il avait beaucoup de PV donc on a galéré à le finir, mais c'est passé. Et on récupère un petit peu de trucs. Ok, alors du coup. Ah, on peut faire un récupérateur d'eau de pluie ici aussi. Intéressant, c'est peut-être pas une priorité. Je pense que un pot de culture, ce serait beaucoup plus intéressant. On va remettre une graine dedans. Par contre, ils sont niveau 1, mais on peut pas les améliorer visiblement. Ça doit être là avec la serre, on doit pouvoir faire la serre dessus ou quelque chose dans ce genre-là. Petit bilan. Toi, je crois qu'il est temps que tu ailles dormir. Toi, il te reste plus beaucoup d'énergie. Tu vas aller mendier et Kenshi va aller dormir aussi. Allez, c'est parti. Mec, qu'est-ce que tu fais? Non, attends, j'ai merdé. Toi, tu vas dormir. Toi, tu mendies. C'est dingue ça. Alors, toi, t'es reposé. Vas-y, entraîne-toi. Ici, il y a un pot qui fait rien. On va continuer de faire des patates. Ici, on a un piège qui fait rien. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir cuisiner, ouais, une bonne quantité. Noah va te reposer un coup. Et toi, avant d'être fatigué, tu vas aller cuisiner. On a un petit peu d'eau, mais pas grand-chose. T'en es où toi? Parce que tu nous dis que t'as plus beaucoup d'hygiène. Oui, en effet, il faut que t'ailles te laver un peu. Même s'il reste qu'un chouïa d'eau, ça fera le taf. Voilà, t'es remonté à combien? 28%, nickel. Allez, va cogner. Lui aussi il devient sale, 7%. Si on n'a pas de pluie qui tombe, il va peut-être falloir qu'on envisage de mettre une petite bouteille. Allez, c'est parti, on met une bouteille. Va te doucher. Ça suffit. La demi-finale, non, on n'est pas bien pour la demi-finale. On passe de 3 à 55 secondes, c'est mieux pour regarder.
Tu veux dire que ça lag moins? Canton? Merci pour le trinque, je trinque. Alors j'avais retapé un peu la connexion, elle était un petit peu meilleure là, mais j'ai l'impression que c'est reparti en... en sucette un peu malheureusement. Go, entraînez-vous. Non pas seconde mais pouce. Ah d'accord, ok, t'es passé de ton téléphone à ta télé quoi. Je vois. Je vois, je vois, je vois. Ici on relance, on a bientôt plus de patates hein. Allez, va prendre une douche. Ah non, c'est pas lui qui est sale, c'est toi qui est sale. Ah, c'est pas grave, tiens, va prendre une douche quand même. Va prendre une douche, en plus il pleut là. Alors là, on peut prendre le coup aérien. C'est parti. Donc normalement, si on s'est pas gouré, il devrait être là. Voilà, parfait. Actualiser l'étourdissement et faire deux fois plus de dégâts si la cible est étourdie, c'est quand même pas mal. Hein. On enlèvera peut-être le coup explosif du coup. Bon, encore faut-il prendre le niveau, bien sûr. La vengeance des titans dans 16 heures. Ça laisse le temps de faire encore une petite session d'entraînement. Par contre, on va enchaîner avec le grand vol d'ordure. Il s'agira de faire quand même un petit peu gaffe. Oh, ça se remplit pas vite, hein, même quand il pleut. Hein. T'en es où, toi? T'en es que c'est pas la teuf. Allez, repose-toi. Dans 6 heures. On va laisser finir son entraînement. Par contre, toi, tu vas pas t'entraîner, tu vas là. Tu vas mendier un peu. Là, on a le temps de se reposer et on devrait du coup être bien pour la contre-attaque. Donc toi, tu vas pas t'entraîner, tu vas passer 2 secondes ici, là. Est-ce que la pluie augmente l'hygiène? Bonne question. J'ai pas l'impression. Là, la température nous fait baisser l'hygiène. Si j'enlève la pause, on est à 43%. Non, j'ai pas l'impression que ça compte. Alors, c'est... un criminel. Ah, c'est le mec qu'on a tabassé qui voulait voler... le pizzaiolo. C'est quand même pas mal de pouvoir le provoquer. Hein. Du coup, le temps qu'il lance sa compétence, il reste un peu derrière et ça les met bien quoi. Alors, vas-y, continue de t'entraîner. Les autres, ils se reposent. Quoique, il y a le grand vol d'ordure, donc non, t'entraîne pas. La super transpi, toi tu vas te lever. Toi tu vas aller essayer de te reposer une petite heure. Vas-y, toi prends une douche si t'as envie, ça me dérange pas. Alors, est-ce que cette fois on va pouvoir réussir? Il nous faut ce foutu... coup de genou, le double coup de pied, Kenshi qui est stun, c'est dommage, et au moins ils ont plus focus dessus là, oui allez défoncez-le, oui c'est beau, quelle belle tatane,
Bon, on a récupéré un petit peu de trucs. On va faire le récupérateur d'eau de pluie parce que mine de rien avec 3 douches, hein, ça commence à devenir compliqué. Ah, et lui, il a pris un petit niveau. Ici. Alors on pourrait lui mettre le coup aérien. Le bonus de vitesse d'attaque ne fait jamais une fixette sur la cible avec le plus de vie. Ouais, pourquoi pas. C'est bien le mec à se balader tranquillement et à mettre des petits coups enfouines derrière là, Michelangelo. Toi tu vas dormir, ça me va. Ah, quand on mendie, on récupère doucement l'énergie, hein, même si c'est assez lent. Ouais, après le moins 60, là c'est le cœur de l'été, du coup il sue comme des porcs et ça consomme assez vite l'hygiène. Est-ce qu'on profite pas qu'on est en forme pour aller se faire des petits nettoyages là? Ah mais on est de nuit. De nuit, il y avait les fantômes. Le chantier de construction la nuit, il n'y a rien, j'imagine. Je regarde danser tous les soirs, je suis jaloux de son don en ballet. J'essaie de l'imiter, mais je n'y arrive pas, il va sûrement gagner le concours. Chaque nuit, je m'entraîne à danser pendant que mes amis dorment, j'ai vraiment honte, mais je veux gagner la compétition et m'offrir une meilleure vie. Très très bien. Donc mine de rien, hein, les squatteurs et les ouvriers sont pas si ennemis que ça. Alors, il y a un fight à la station-service de nuit. Ah ouais. Un homme noir contre un flic noir, typique comme situation. Me tirez pas dessus par pitié, c'est ici que je travaille, je suis pas un criminel. Vous êtes leur complice, plus un geste, personne n'oblige. Raciste pig. Très bien. Non. C'est pas possible pour l'instant. J'imagine que le rouge là, ça veut dire qu'on n'est pas au niveau, hein. Très clairement. Donc pour l'instant, le quartier religieux, c'est pas le thème, hein. Et dans la côte, non, on a déjà été. Bon, ça commence à être tranquillement moins intéressant la nuit. Alors, ce qu'on peut peut-être faire la nuit, c'était passer voir les singes là. Il nous redonne un peu de trucs, lui, ouais. Allez, go, hop, on prend. Ça vaut peut-être pas le coup. Le métal, ça vaut le coup par contre. Un contre un, bon, l'échange est pas ouf, mais. C'est quand même intéressant. Et alors lui, c'est pas un crâne, c'est pas un point rouge, c'est carrément un crâne celui-là. Hein. Ça déconne pas. Bon bah du coup, on va attendre le matin. Ça nous laisse, il est 5h, ça nous laisse pas trop le temps de nous entraîner au final. Hein. Ça nous laisse le temps d'aller nous reposer. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas t'arrêter. Hop. Est-ce qu'on a de quoi cuisiner? Non. On manque de légumes maintenant. Bon, toi, tu peux prendre une douche tant qu'à faire. Non, t'entraînes pas. J'aimerais bien que ça, voilà. Ça se termine juste le matin. Parfait. Ça nous fait que 1. Bah, faut planter là, faut planter. Voilà. Il fait jour. Ici, on n'a rien, mais dans la côte, normalement. Il y a lui là. Lui normalement, Noah, il peut le gérer tout seul. Quand il est en pleine forme, il doit pouvoir le faire. Ah, même quand il part, on lui fait 12 de dégâts quoi. Le stun, bim. Il a une bonne défense, hein. Je m'en vais pour de bon, parfait. Et là, on a réussi notre quête, on récupère des poissons bizarres. Ils sont partis, je vais enfin pouvoir recommencer à pêcher ici. Et pour qui vous vous prenez? Il y a un autre qui essaie de pêcher ici, c'est pas bon pour les affaires, j'en ai ras le bol.
Il y a d'autres pêcheurs qui se sont pointés. On pêche ici aussi maintenant, cet endroit a l'air sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, c'est un combat avec deux personnes. Bah, on va envoyer nos deux autres combattants. On va voir ça. Ils sont quand même. Ah, mais les. Ah non, putain, mais c'est eux ça. C'est moi, je suis là. Je me disais, on est tous les deux level 10, mais pas encore. Ouh. Le stun qui a. La provocation qui a fait le taf, mais un petit peu trop là. Ouais. Pas encore au niveau là. L'ami Michelangelo. Il s'est fait fracturer l'os. Bon, on a un jour pour récupérer, ça va. Allez, t'es pas là pour glander, va t'entraîner, toi aussi. Alors là, on pourrait remettre un rat, mais on a qu'une seule patate. On pourrait acheter des carottes après pour 50 centimes, c'est entendable. Hein. On a encore de la bouffe, donc pour l'instant. On a combien de viande de rat? 7? Ouais, il y a deux poissons. Ouais, on peut se permettre d'économiser un peu. Hein. Allez, va taper dans le punching ball, toi. Toi, tu vas te reposer. Toi aussi. Arrête de faire le con à rester debout là. On pourrait faire le dernier pot. On va le faire, mais si on n'a rien à planter pour l'instant. On pourrait aller acheter des graines de patates. C'était sur le port. Hein. Non. La bête chargement, mais c'est la nuit qui nous vend des graines de patates, le gars, je crois. Lui il pourra nous vendre des trucs, mais visiblement il va falloir le taper, donc on n'est pas encore très en état. Ok, donc pour l'instant, on s'entraîne encore un peu. Et c'est le level up. On va pouvoir prendre le coup aérien. Et on va le remplacer le coup explosif. Et là, si on peut stunner les gens et ensuite les restun, ça c'est bon ça. Augmenter la vitesse d'attaque, un peu, petit peu plus d'énergie. On a toujours pas ces compétences là, qui sont des compétences de soifard visiblement. Est-ce qu'avec nos sous on peut pas se prendre une autre compétence? Technique interdite, augmente les chances de coup critique de 20% et augmente de 15% la chance de faire saigner pendant 15 secondes. Ah. Intéressant. Et toi, au niveau de tes compétences, toi t'as vraiment toute la rangée de verre, hein, donc on pourrait prendre les trucs du bas. 15 à 20% de 50% de chance d'enchaîner deux compétences offensives en utilisant la moitié de l'énergie requise. C'est pas mal ça. On va essayer de lui mettre à lui là. Partir là-dessus. Ça remplacera le coup rapide de manière intéressante, je pense. Deux compétences offensives. Là, c'est des compétences offensives aléatoires, mais c'est pas marqué combien par contre. Allez, va donc là. On a récupéré un petit peu d'eau, mais c'est pas ouf. Le saignement est bientôt guéri, ça c'est cool. Allez, faut vous lever. Donc toi, tu t'entraînes en force. Non, tu vas t'entraîner en agilité. Toi, tu t'entraînes en endurance. C'est parti, bougez-vous. Ouais, je sais, vous êtes pas bien, mais c'est pas grave. Vous avez encore un petit peu de temps pour vous entraîner et guérir de vos fractures. Et manger aussi, d'accord. Ok, j'admets, vous avez le droit de manger. Toi, va te reposer. Pourquoi tu t'entraînes pas, toi?
Bouge. Tu t'arrêtes pour manger, mais tu t'entraînes après, faut pas déconner. C'est dingue ça. Bientôt, ils vont se mettre à glander. Y'a un problème avec lui là, il perd pas d'endurance, ça a bugué je pense. Toi va là, toi retourne là. Et toi du coup, tu vas aller te prendre une douche. Voilà, là, c'est mieux là. Bon, on a perdu un petit peu de temps avec le petit bug d'entraînement là. C'est la vie. Allez, va dormir. Toi, va dormir. Toi, entraîne-toi. Toi, tu vas rester dormir pour guérir ton truc. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas aller dormir. Allez hop, et on devrait être prêt pour le grand vol d'ordure normalement. Et Refalstag. Allez, les os fracturés, ça se soigne, hein. Ça suffit un petit peu de glander. Vous avez encore 2 heures pour vous remettre. Bah ça se passe pas trop mal, Falseag, hein. Un petit peu compliqué, mais ça se passe pas trop mal. On vient de juste réussir à bien se soigner juste avant un vol d'ordure. On peut en choper 6-12 là, on a dû débloquer la nouvelle zone. Ah oui, c'était là. Ils sont 3 en face, de niveau correct. On y va. Le fight est là. On a débloqué des compétences assez intéressantes, mais néanmoins pas forcément toujours efficaces. Genre Kenshi maintenant il a la possibilité de taunt les ennemis, ce qui aide bien, mais du coup il s'en prend plein sa mouille. Hein. On va pas se mentir. Allez, retournez dormir un peu. Et après je pense qu'on va tranquillement tenter d'avancer des quêtes. Voilà, toi t'es debout, hop, tu vas aller mendier un peu. Alors ici on a terminé un truc, on peut mettre une graine là. Lui il va s'entraîner, non, je veux pas que tu ailles t'entraîner. Tu vas prendre une douche. Et salut Sparen, bienvenue sur le live, on trinque à ton arrivée, c'est parti. Alors, il est 20h. Est-ce qu'on peut se faire ces combats-là là? Un problème, le bonheur en pain d'épices, je vais t'engloutir comme j'ai englouti une bombe de MDMA hier. Alors, on a quoi? Un tank et un DPS, on va envoyer notre tank et notre DPS, pas de soucis. Et on va voir si on peut... Ouh, le 19 il a fait mal. Heureusement on enchaîne avec un 30. Un petit stun. Et voilà. C'est pas terminé, je vengerai le peuple des ordures. On a récupéré une patate et des restes de bananes. Cool. Par contre du coup lui il a carrément un crâne rouge. Il est un peu énervé. Vous voulez du plastique que j'ai récupéré dans ce dépotoir? Louange au roi des déchets. Pour 3, tu nous fais 8 plastiques. D'accord. Mais je croyais que c'était un combat. Ah, d'accord. Non, c'est un combat si on touche au butin. Noah, tu te sens? T'es un peu fatigué quand même. Michelangelo? Michelangelo, il peut peut-être gérer. Tout seul. Il manque un petit peu de protection, mais ça peut se faire. Il a ses gants de voyou.
Alors c'est... Ok, non, il gère pas du tout. C'est pas des gladiateurs, Soren, c'est des clochards. Tout simplement. C'est un jeu de simulation de clochards. On a notre petite bande là de clodos et... Je vérifie. Là, on pourrait se racheter ça, mais on n'a plus les sous. Là, il y a une arène. L'autre, il y a l'autre avec son truc de. Ici, c'est de la pizza. Au marché. Vendeur d'eau. Lui vend des carottes. Lui vend ses hot dogs. Là, il y a l'arène. Là, il y a elle, mais on n'a toujours pas la hache. Coach d'agilité, on en a déjà un du coup. Ici, il n'y a rien. Et ici, il n'y a rien. Ok. Enfin, il y a des choses, mais il faut qu'on se repose d'abord. Putain, il se refait fracturer l'autre là. C'est dans 11 h l'instruction. Allez, faut s'entraîner. T'en es où toi? Ça avance. On prend une douche, on te reposer. Toi. Non, je t'ai dit que je t'entraînais en quoi? Si, j'ai dit que j'essayais d'aller chercher le coup croissant, donc tu t'entraînes en agilité. Et lui, il va aller mendier un peu. Parce que mine de rien, on n'a plus beaucoup de pognon. C'est dans 4 heures. On va aller se reposer. Il aura pas le temps de soigner son os fracturé, mais au moins il aura son énergie à fond. Et là, on pourrait cuisiner, hein. On a tout ce qu'il faut. Ah, d'où ça sort tous ces légumes là? Ah, on a 7 patates, 9 rats. Oh, ok, c'est cool. On peut peut-être même en relancer un peu là. Attention, c'est l'intrusion. Oh, ils sont trois. Ils sont trois, les coquinous. Ça a l'air correct, vu le niveau de vie. En avant. Il a quand même 40 PV même avec son attel. Hein. Ah non, c'est lui qui a son attel, excusez-moi. Donc là, il a pris l'aggro. Ce qui permet aux autres de bien cogner. On récupère deux papiers. Ouais, c'est toujours ça. Toi, va te reposer, toi, va t'entraîner. Hop. Et toi, c'est parti. Ah bah attends, il y a un lit qui se libère. Est-ce que c'est utile? Non, non, continue de t'entraîner toi. Tu feras ta popote plus tard. Là ouais, on a vraiment plus de sous, on peut pas trop se permettre d'acheter grand chose malheureusement. Ah, et ça y est, lui il passe level 10, on va pouvoir lui mettre une compétence de plus et ça c'est parfait. Hop là, le coup croissant. Et je pense qu'il va falloir qu'il aille chercher quelques compétences de force maintenant pour faire du DPS. Genre le petit crochet là pour étourdir. Tu vas aller t'entraîner en force maintenant. Et toi, tu t'entraînes en agilité.
Lui il veut une douche avant d'aller dormir, ok, vas-y, prends ta douche. Ça me dérange pas outre mesure. Par contre, c'est peut-être pas non plus une douche de 2 heures, hein, c'est bon. Le petit niveau, nickel. Alors, je pense qu'on va être bien pour retenter des petits combats là. Là, on peut prendre du coup 20% de dégâts en moins de la part des ennemis provoqués. Ça, c'est très bon. Par contre, c'était l'un ou l'autre. Ok. Et là, on a quoi? Rien de 30% d'énergie en plus ou rajoute 10% de vie. On va prendre ça. Puisque le. Rien de 30% d'énergie en plus, on va pas prendre la méditation de toute façon. Et après, on aura le juron. Mais j'ai l'impression qu'il faut qu'on ait les deux. On verra. C'est 5 points de compétence qu'il faut pour le juron. Alors, toi, t'es bien fatigué. Tu vas aller mendier un peu. On va attendre que l'os fracturé se guérisse ici et on va se retenter des combats. D'avancer un peu dans nos quêtes là. Non, ils vont pas sentir la rose, mais il fait plus que 16 degrés, ça va. Pas non plus trop la sueur, ça. Voilà, parfait. On va regagner un petit peu d'endurance ici, toi tu mendies. Toi. Ah non, il fait nuit, dommage. J'ai pas eu le temps, je voulais aller retourner à la décharge ou au clodo là. Mais là, les combats ils sont beaucoup trop durs. On pourrait peut-être se faire le chantier de construction aussi maintenant. Bon bah, du coup, si, vas-y, entraîne-toi. C'est parti! On a combien de légumes là? Ouais. Ah, un petit level up en force, ça c'est cool. On va aller chercher le crochet et on va le mettre à la place du coup rapide, hein, puisqu'on a rempli le coup croissant maintenant qui remplace. Hein. On va lui chercher quelques passifs aussi. Allez, reposez-vous. Dans 2 heures, on a le grand vol d'ordures. On va essayer de se faire un petit peu d'électronique. C'est toujours la ressource qui nous manque. D'ailleurs, toi, hop, voilà. Deux de bouffe contre de l'électronique, hein, on prend. On n'est pas tout à fait bien remis, mais on va tenter. Pense qu'on est quand même suffisamment en forme. En plus, lui, il a sa nouvelle combe pour provoquer et pour réduire les dégâts qu'il prend. Ça castagne dur. Ok, Kenshi s'est fait défoncer, mais pendant ce temps-là, les deux autres, ils font le taf, hein. Bien, repose-toi. Toi t'es bien, reposez-vous. Ça va être le matin, on va aller se faire des petites visites. Hop, toi tu mendies un peu. Tu manges, ok, vas-y, tu manges, j'acquiesce. Je t'autorise à manger. Est-ce qu'on n'aurait pas de la graine? Non, on n'a pas de graine. Bon, par contre, toi tu t'entraînes pas. Finis ta popote, tiens. Il n'a plus que 4 de bouffe. Hein. Ok, tout le monde est en forme. Alors ici, j'ai besoin de votre avis dans le chat. On a ce monsieur qui a tué cette femme 3 fois et elle arrête pas de revenir, qui nous demande de tuer les fantômes. Ou alors on a les fantômes qui veulent qu'on chasse les clochards, qui hurlent à plein poumon et qui les rendent fous. Est-ce que vous pensez qu'on se met du côté des fantômes ou du côté des clochards? Ouais, Kenshi, il passe pas mal de temps allongé, mais en fait, à partir du moment où on gagne le combat, il prend pas de dégâts ou d'effets négatifs. Donc c'est son taf d'encaisser les coups et éventuellement de finir allongé pendant que les autres nettoient le terrain. Du coup, pendant que vous réfléchissez, on va arrêter la VOD là, parce qu'elle est assez longue, ça fait une belle rediff.
Turlut, c'est suspect comme nom. Y en a un qui s'appelait comme ça? Ah oui. Ding Dune Turlut. Donc vous êtes plutôt côté fantôme. Et ben du coup, côté fantôme, on se placera lors du prochain épisode côté fantôme. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. Et à tout de suite pour la suite.